Bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur GTA 5 Online. J'espère que vous allez bien, parce que moi ça va, je vous remercie. Alors, droite, gauche, boum. Donc, on va présenter encore les nouveaux véhicules, parce que oui, je préfère prendre mon temps à ne pas proposer non plus 10 vidéos par jour. Et surtout, bah, aujourd'hui, on est mercredi, et mercredi, bah, ça va mieux. Hier, en fait, il faisait vraiment très très chaud, et j'ai dû faire des examens durant la matinée. Du coup, j'ai marché pendant 3 quarts d'heure, 1 heure sous le soleil. J'étais vraiment KO de chez KO quand je suis rentré. Mais comme je voulais pas forcément louper la mise à jour, bah du coup, bah voilà, j'ai fait quand même les vidéos. Mais ça se ressentait que j'étais quand même assez fatigué. Ça se voyait, des fois, je parlais pas du tout pendant 10-15 secondes. Et c'est pas forcément à mon habitude. Donc aujourd'hui, on va présenter encore un nouveau véhicule. Et bien entendu, pour ceux qui se demandent, Coty, c'est quand que tu vas présenter le fait d'être patron, avoir tes emplois, etc. Je pense que je vais faire ça pour le week-end, pour faire ça bien, plutôt que de le faire à la va-vite, de ne pas savoir ce que je fais. Et pour faire une vidéo pour faire la vidéo, quoi, donc ça m'intéresse pas trop. Je préfère comprendre le concept plutôt que se prendre la tête. On va la prendre comme ça. De toute façon, on va changer la couleur. C'est pas une prise de tête. Donc c'est la grotti, hein. C'est moins version gros. voilà. C'est ma petite blague. C'est pas marrant. Et comme d'habitude, bon, on se retrouve dans quelques instants. Dès que j'aurai la voiture, comme ça on ira bah, OLS Custom. Ah, notre voiture est là. Par contre, oui, il a commencé à pleuvoir, hein. Vous avez peut-être pu remarquer. C'est triste, mais c'est comme ça. Alors, comme d'habitude, de toute façon, vous connaissez la routine, hein. On fait ça toujours de la même façon. Ce que j'aime bien, c'est au moins je sais ce que je dois faire, quand je dois faire ça, etc. Ah là, c'est cool de pouvoir tout ouvrir dans une voiture. Ça nous avait un petit peu manqué. Hop, vu la première personne. L'intérieur, ouais, plutôt sympa. J'aime bien. Ok. En fait, ça, c'est le genre de voiture qu'on peut tout savoir, entre guillemets. Et j'aime bien le look, en fait. Elle me paraît un petit peu petite, et j'aime bien. Quand je dis que c'est une voiture qu'on peut tout savoir, façon de parler, hein, par exemple, je parle de la Pécassi, etc., ça l'a coûté vraiment une blinde. Et celle-ci, je pense que si on fait des économies, on peut peut-être se la payer. Après, encore une fois, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire de quelle voiture Rockstar se sont inspirés. Et d'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui me donnent des conseils, qui me disent « Coty, en fait, la Pégassi, toi tu disais que c'était une Ferrari, non, c'est une Lamborghini. » Parce que je lis les commentaires, hein, ça se voit peut-être pas, etc. Je tiens à le dire, je les lis vraiment, allez, atelier de tuning. Ok, ils me disent plutôt d'aller par là, très bien. Comme ça, on va faire une petite balade. En vue de la première personne, vu qu'elle est non custom, mais après, quand elle sera custom, on fera une petite balade à la troisième personne. Et oui, bah, je lis du coup les commentaires. Et voilà, vous m'avez dit que c'était une Lamborghini. Après, le nom de la Lamborghini, je me souviens plus du tout. Mais voilà, c'était vraiment pour vous dire bah, que je les lis, parce que... Soyons francs, je pose des questions, ça serait abusé de ma part de vous dire, bon, les petits loups, je vous pose une question, répondez-moi, mais je lirai pas vos réponses. Ouais, ça fait con. Du coup, bah, je lis les réponses, et au moins, je sais quoi dire pour la prochaine vidéo, et c'est plutôt sympa. Même si je pense que là, je vais sans doute faire deux vidéos à la suite, comme ça, voilà, pendant que l'une fait le traitement, l'autre va s'upload, et ainsi de suite. Parce que je pense aujourd'hui faire 4 vidéos, faire celle-ci, faire les deux qui suivent en bas, et dans Southern, je sais plus quoi là en bas, ici une sorte de 4x4 que j'avais pas forcément vu au début de la mise à jour. Donc voilà, on va présenter les 4 véhicules comme cela. Et ensuite on va. Comment dire? On va présenter aussi les véhicules aériens, le bateau. Après, je sais pas si ça va valoir une vidéo pour chacun, ou si on va devoir. Si on va devoir, excusez-moi, présenter par exemple deux véhicules pour une vidéo, etc. Je vais voir. Je vais voir, je sais pas comment je vais faire ça. Au pire, même si ça fait une vidéo par véhicule, je vous les balancerai demain au pire. Voilà, c'est-à-dire jeudi ou vendredi. Vous aurez, disons, une semaine 100% GTA. Même si je sais que pas mal de youtubeurs ont déjà tout posté en une journée. Mais je préfère prendre mon temps. J'aurais pu faire comme les youtubeurs et... oups. Et balancer ça d'un coup. Mais je préfère prendre mon temps et pas être gavé. Parce que... Pour ceux qui le savent peut-être pas, mais enregistrer 10 vidéos à la suite, au bout d'un moment, ton cerveau, il se déconnecte, il se barre en cacahuète. Donc je préfère prendre mon temps, faire ça du mieux que je peux. Comme je vous le dis, en plus, c'est le ramadan. Là, ça va encore, j'ai pas trop soif. Il est... Même si tout le monde s'en fout, j'en parle quand même. Oh, est-ce que... Oh, excusez... Voilà, merci. Je vais te niquer. Je vais te niquer. T'as osé tamponner ma caisse, même si je suis peut-être fautif. Descends. Descends. Tu crois que c'est drôle? Alors, le LS Custom, il est ici.
C'est le LS Custom, je vais jamais dans celui-ci, vraiment. Voilà, 300 $ pour ça. Bon, allez, on est parti. Excuse-moi, le blindage comme d'hab. Ensuite, les freins. Par contre, c'est vrai que j'ai remarqué, il n'y a pas de moto. Attendez, je vais tout faire comme ça, je sais. Hop. Ah, là, on a une petite différence. En fait, le problème, c'est celui-ci est bien, mais on enlève la couleur, du coup, ça m'énerve un petit peu. Du coup, hop là. Moteur. Bon. On rigole pas avec le moteur. Ah, ça change un petit peu. Donc on va prendre le ovale. Le capot. Ouais, on va laisser celui-ci, c'est plus sympa. Carbone, c'est bien, mais le klaxon, comme je dis maintenant, je prendrai toujours le même. Parce que franchement, prenez celui-ci, roulez à fond à côté de certaines personnes et laissez votre klaxon allumé. Vous, ça va faire un bruit strident et il est vraiment stressant. Du coup, moi je le fais aussi. Les phares. Je sais que pas mal de personnes disent que ça fait kéké de prendre des phares xénon, mais moi je trouve que ça fait joli. Après, encore une fois, les goûts, les couleurs. Oui, je sais, pour ici, je vais prendre juste le support total. Comme d'hab, pour la couleur, excusez-moi, je vais d'abord prendre la peinture. Je trouve ça plus sympa. Et celle-là, on va la changer un peu, ça que souvent je prends métallisé. On va essayer de prendre, allez, mat. Voilà, juste pour changer un petit peu, parce que c'est vrai que si on fait toujours la même couleur ou le même type de couleur, ça va pas trop. Alors, pour mat, par contre, les couleurs. J'ai envie de dire peut-être que noir ça passe bien, ça fait sobre, mais pourquoi pas? Pourquoi toujours faire des voitures ou blanc? J'hésite entre noir et blanc. Allez, on va prendre blanc pour cette fois. Ça fait simple, mais c'est une voiture qu'on pourrait avoir. Voilà, surtout en blanc, ça fait plutôt sympa. Allez, on est parti. Excusez-moi. Couleur principale. Ah, il n'y a pas de couleur secondaire, d'accord. C'est moi qui ai fait l'erreur. Éclairage. Du coup, couleur. En blanc, ça passe plutôt aussi bien. Je vois bien la voiture dans le noir en fait maintenant. J'ai hâte de la tester quand il fera nuit. La plaque. Bah là, du coup, on va pas prendre noir, on va prendre comme ça. Hop. D'ailleurs, il faudrait que je me fasse une plaque à mon effigie parce que pas mal de personnes en ont une bien stylée. Ouais. Ouais. Allez. Les ailerons. Alors, attendez, laissez. En fait. La caméra qui met, je vois pas très bien. Voilà, comme ça je verrai mieux. Ouais, je suis pas très fan. Alors je sais pas ce que vous en pensez pour l'aileron. Peut-être que. Bah si, en fait ça va bien avec le toit finalement. Enfin, j'essaie de voir quelque chose qui. Ouais, si, ça va plutôt bien avec le toit. Je suis pas très fan de l'esthétique, mais après. On la rabaisse. Transmission. Transmission de course, bien entendu. De toute façon, ça, c'est les bases. Hein. On fera toujours la même chose à ce niveau-là. Alors, les roues. Bizarrement, j'ai envie de prendre du sport. J'ai l'impression que c'est une voiture un peu sportive. On va prendre. Alors, attendez. Par contre, montrez-moi les roues, s'il vous plaît. Et les roues, c'est vraiment ce que j'ai le plus de mal à me décider parce que je m'y connais pas en voiture. Là, voilà, faut avouer ce qu'il faut avouer. Par exemple, celle qui me plaisait le plus, c'était celle-là. Après, je sais pas du tout si ça va ou celle-là ou celle-là. Mais celle-là aussi, en fait, non, c'est celle-là que je préfère. En fait, je m'y connais vraiment pas du tout à ce niveau-là. Ok, on va prendre en chromé. Voilà. C'était lesquelles qu'on avait pris juste avant. C'était. Attendez. Que je dis pas. Voilà, c'était celle-là, la dash. Voilà, j'ai perdu un peu d'argent, c'est pas grave. Hop, non, la couleur, je voulais préférer les laisser chrome, vu que c'est du blanc et tout, c'est plus sympa. Apparence des pneus, pneus custom, non. Après, est-ce que, pardon, excusez-moi, est-ce que les pneus custom, ça change vraiment quelque chose par rapport aux pneus basiques? Pour ceux qui s'y connaissent, moi, personnellement, je n'ai strictement aucune idée. Bah, la fumée, on va la laisser à. Ah, peut-être pas une autre couleur, non. Bon, on va laisser en blanc, allez hop. Fenêtre. Hop là. Ça passe. Et voilà. On a notre voiture. Elle est plutôt simple. Mais franchement, je trouve assez sympa. Après, pardon. Généralement, moi je suis vraiment fan des voitures un peu couleur métallisée.
Mais là, je voulais faire quelque chose de différent. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Moi, j'aime bien. La voiture rend plutôt sympathique. Elle est plutôt jolie. Les jantes, c'est... Ouais, c'est sympa. Après, les petits pots là qui sont ovales, ça passe aussi. Ouais, non, je les trouve jolies. C'est vrai que par rapport aux deux premières, il y a une différence, c'est sûr. Mais bon, allez, on va la tester. On va voir ce que ça donne. En tout cas, tenue de route, même quand il pleut, je trouve qu'elle tient vraiment très bien. Donc, après, je sais pas, à la catégoriser dans quel type de véhicule, si elle est en sportive ou super sportive. J'aurais tendance à dire que ce serait peut-être une super sportive, mais j'ai l'impression qu'elle trace pas tellement. Vous voyez, en vitesse de fond, enfin, par rapport aux deux autres véhicules, j'ai l'impression qu'elle est moins compétitive, mais bon, c'est pas la même catégorie. Voilà, on va essayer d'éviter de l'esquinter. Je dis ça, mais dans pas longtemps, on va se prendre des collines. Je le sens bien. Non, franchement, elle est vraiment très cool. Hop là, on va passer par là. Hop, 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 excusez-moi. Pardon, pardon. Laissez-moi passer. Ouh là là, ouh là là. Franchement, à chaque fois que je frôle quelqu'un, c'est dommage que je devrais prendre une caméra pour filmer mes doigts quand je tourne. J'ai l'impression que, que je suis au bout de ma vie. Allez, hop. On se tape ce petit virage. Il y a du monde aujourd'hui, je trouve, sur les routes. Ah bah ouais, forcément. Voilà, forcément, il y a un moment, bah, ça passe pas. Non, je la trouve vraiment. Elle trouve vraiment classe. Vraiment. Même si je préfère toujours la Vapid, que je trouve géniale, génialissime, gros coup de cœur. Mais. D'accord. Très bien, Coty, tu es un rapace des pigs. C'est pas grave. Mais non, je la trouve jolie. Même si, bon, là, on l'a sacrément défoncé. Ah bah tiens, il y a Mafia. Qu'est-ce qu'il va faire encore? Je vais le rejoindre dans une session à tenter un stunt que je réussirai pas au bout d'une heure. C'est bien drôle. Mais moi je me dis que pour les stunts, il faut apprendre à tomber pour apprendre à réussir. Voilà. C'est ma devise de loser. Mais c'est vrai en plus. Franchement, je connais. Enfin. Pour réussir dans le stunt, je pense qu'il faut avoir des nerfs sacrément solides. Parce que, imaginez, vous faites un stunt au bout d'une heure. Vous le réussissez, sauf que la réception, genre. Votre personnage, boum, il tombe au bout d'une heure, alors que vous avez galéré à réussir le spot. Faut avoir les nerfs solides. Mais je pense que c'est là d'où vient le plaisir. Après, une fois que tu l'as réussi, bah t'es sacrément heureux, quoi. Hop, 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 hop. D'accord. C'était vraiment pas fait exprès. Je pense que vous en doutez. Alors ça me rappelle les courses qu'on faisait au tout début de GTA. Je sais pas si vous en souvenez, genre vidange, etc. À l'ancienne. Au moins ça change un petit peu les parcours. Merde. C'est vrai que généralement quand je faisais les parcours des véhicules, bah, c'était un peu pareil. Là voilà, on a un petit peu modifié ça. Même si bon la conduite elle est pas extraordinaire, ça je vous l'accorde, ça je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais tant que vous voyez le véhicule, vous voyez un petit peu la conduite qu'elle a et tout. Et vraiment, elle tient super bien la route. Hein. Quand il y a des accidents, c'est moi qui fait de la merde, un peu comme d'habitude, on va nous dire. Hop là, entre les deux! Et bah non. Bon, les petits loups, c'est fini pour celui qui attend le joueur. Je vois, ça peut taper son. Ouais, non. Vous voyez, quand on essaie de tourner en rond, elle le fait, mais elle a un petit peu du mal. Hein. Ouais. Non, mais toi, vas-y. Non, mais attendez. Lui. Voilà. Toi. Non, non, mais bah oui, bah oui. Ah bah tiens, pour la prochaine voiture, ce qu'on va faire, c'est une course-poursuite. Je tirerai sur des gens, histoire d'avoir deux ou trois étoiles et faire une course poursuite. Voilà. Ça peut être plutôt sympa. Bon, comme je l'ai dit auparavant, c'est la fin de la vidéo. Nos prises de tête. On se retrouve dans à peu près 1 h 30, 2 h pour de nouveaux véhicules. Je prendrai celui qui ressemble à je ne sais pas quelle voiture. Bref, on verra bien comment ça va se passer. En tout cas, si vous avez passé un bon petit moment comme ça, si vous savez si du coup le véhicule bah, vaut le coup d'être pris. Bah, je suis content, ma vidéo aura servi à quelque chose. Vous pouvez laisser un petit like, bah, si c'est le cas. Et puis sinon, bah, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis c'est tout. Allez, salut!